C'est la consternation dans la région de Chandler, en Gaspésie. Trois jeunes ont perdu la vie dans une violente sortie de route. Patrick, donc, l'accident serait survenu aux petites heures du matin dans le quartier Newport. Absolument, Michel. Et ce sont trois jeunes âgés entre 18 et 21 ans qui ont tragiquement perdu la vie aux alentours. Aux 10 heures cette nuit, il est difficile de statuer l'heure exacte de cette violente embardée parce que ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui patrouillaient dans le secteur qui se sont finalement rendus compte aux alentours de 3 heures qu'il y avait donc une personne qui avait été éjectée de cette voiture qui était au sommet de risque. Lorsqu'ils se sont rapprochés, il y avait donc une voiture donc, dans ce boisé que vous voyez à l'écran. Bon, sur le terrain, il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé. On ne voit pas de traces de freinage. On voit donc que cette violente embardée, je laisse entendre le porte-parole de la Sûreté du Québec. L'objectif du reconstitutionniste, c'est d'étudier et d'analyser tous les éléments de la scène en collision. Donc, on parle des véhicules, on parle des ordinateurs des véhicules, on parle des traces de freinage. Et puis, afin d'avoir un portrait, afin d'établir les causes et circonstances. Bon, c'est un choc quand même pour la communauté, parce qu'on parle d'une communauté serrée dans la MRC du Rocher-Percé. Absolument. Ici, tout le monde se connaît, connaissait les victimes ou leurs parents de près ou de loin. D'ailleurs, l'équipe de hockey ici réservera une minute de silence lors de la prochaine partie, la prochaine joute samedi. Je veux entendre quelques personnes que j'ai rencontrées. Je connais deux des garçons parce qu'il est au large de mon fils. Mon fils a 20 ans. Puis il y en a un qui a été élevé en avant de chez nous. Ah, c'est triste ce matin. Fait que, ben, on espère pas se voir ça. Ça arrive à notre garçon, mais triste nouvelle. J'ai des jeunes, moi aussi. Bon, c'est trop de valeur. C'est trop de valeur. Ça n'a aucun sens. Ça n'aura pas dû arriver. Alors, la Sûreté du Québec poursuit le travail sur le terrain. Il y a un reconstitutionniste qui est attendu au cours des prochaines heures pour tenter d'élucider ce tragique accident ici survenu la nuit dernière du côté de Chandler. Merci beaucoup, là.